Nous, notre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Que le président lui-même et Jovenel Moïse que les confirme, il dit moi que voulait faire élection dans le pays. Hein? Et moi-même tout, moi quoi que faut qu'il y ait élection qui fait dans le pays. Hein? Parce que élection, c'est l'équipe qui servir d'un pont pour nous arriver vers la stabilité. C'est l'équipe qui servir d'un pont pour nous arriver vers la paix. C'est l'équipe qui servir d'un pont pour nous arriver vers le progrès. Pour qui ça? Parce que je vous dis, hein, il est difficile pour pourquoi que ou t'es capable de prendre la population et pour ou quitter tout le monde qui a une capacité pour voter, qui a décidé de qui monde que vous voulez choisir pour diriger, et puis son petit groupe qui chita nous en chambre, et puis vous décidez de qui monde qui va le diriger le pays. Donc moi je crois que le président de la République là, t'es à nos élections, que nous-mêmes nous t'es gourmés avec lui, mais lui vivait, sorti et gagnant en là. Et l'élection, ça, c'est lui qui est arrivé président de la République. Il a un mandat comme président de la République qui a fini le 7 février 2022. Nous pensons que le processus que lancé et qui c'est élection dans l'année 2021, il estime que nous avons une capacité pour nous accompagner, pour aider et faire Santa Cabrile intermédiation, faire Santa Cabrile liaison, servi de facilitateur à ensemble de partenaires qui gagnent en charge dans mes élections. Comme ministre chargé des questions électorales et relations avec les partis politiques, qui ça garantit à vous, ingénieur Mathias Pierre, pour nous capter vous là, que l'année ça effectivement la première année électorale, la première année côté partis politiques, depuis fort, avoir confiance pour aller participer dans le processus électoral que nous allons prendre. Parce que, et comme je disais dans le début de l'émission, hein, élection c'est la voie, élection c'est un pont vers la stabilité, vers le progrès. Et élection, c'est là que le peuple a lui-même les gagne pouvoir dans mail avec un bulletin de vote pour décider qui monde qu'il voulait diriger demain matin. Et moi, je suis convaincu que nous n'avons pas retirer droit à ça dans la même population. La population doit être maintenue de ça. Et la démocratie doit être préservée. Et préserver la démocratie, c'est préserver les élections, certainement. Il faut qu'il y ait des élections qui fassent dans de bonnes conditions, libres, honnêtes, démocratiques. Il faut qu'il y ait des relations qui établissent avec les partis politiques. Il faut qu'il y ait des moyens qui mettent, capable de dire, à la disposition des partis politiques suivant la loi pour que eux-mêmes aillent à l'élection, pour que les gens qui veulent et qui ont envie de diriger le pays, que effectivement jouent un côté pour le peuple à bas mandat, pour qu'il y ait une légitimité pour qu'il puisse prendre des décisions pour le pays. Le droit de manifester la liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques et économiques est garanti par la Constitution. Mais malheureusement, nous constatons depuis quelque temps qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont incité la population à la violence et qui a annoncé des opérations boudou-boudou dans le pays. Donc, n'a pas dit moun sa yo pour yo pas rentrer dans la logique ça, parce que quel que soit moun qui décide d'écraser, briser, qui a fait des ordres, qui a volé, fait moun, la police qui a pour mission protéger les vies et les biens, pas camper gade yo, et moi-même comme commissaire gouvernement, qui là pour faire prévention et surtout la répression des infractions a obligé mettre l'action publique en mouvement. Et qui donc pas occupé monde qui a voué n'a fait des ordres, parce que le n'a crasé brisé, n'a fait des ordres, et bien le n'a en prison, il n'a pas arrêté nous pour détruire nous. Et monde ça eux-mêmes qui voué nous à faire des ordres là, qui voyait dans le crasé brisé, ils ont même tout pas qu'à faire rien pour nous parce que y a propreté. Donc, moi, je demande à tout le monde pour pas occuper le monde, pour inciter à la violence,
parce que nous arrivons dans une situation côté que nous pas capables d'encraser brisant encore. Donc pour un pays côté que si moun pas à l'école, magasin fermé, femme enceinte à mourir, donc on pas croire que nous même dans le niveau gouvernement nous prêts pour accepter ça. Donc c'est la paix nous besoin, nous besoin sécurité, nous besoin développement. Et quel que soit monde qui décide faire violence, qui cap fait des ordres, nous même en tant que commissaire gouvernement n'a mettez l'action publique en mouvement contre ça. Direction générale police nationale d'Haïti informe tout policier qui ont nouveau plaque machine officielle dans le pays depuis 20 janvier 2021. Dans une note, directeur général de la police, là, Léon Charles, publié 25 janvier 2021, il fait qu'on est à partir de 1er février 2021, aucun n'a ancien plaque officielle, il n'y a pas de circuler dans le pays. Direction générale de la police, là, demande tout responsable qui concerné pour prendre disposition pour mes ici-là, capables de respecter. Et maladie ça c'est un parasite qui est le Saccoptes KBI qui baille, son ectoparasite qui sous poids, donc c'est microbe ça qui baille et il transmet par contact direct, c'est-à-dire que un monde qui collé avec un monde qui gagne, qui utilise, qui mette radon monde qui gagne, qui servit avec même serviette un monde qui gagne, ou apprend son maladie qui est très contagieuse, donc c'est ça que je vais expliquer. Contagieuse là veut dire que c'est facile pour le transmettre de monde à l'autre. Maintenant, transmission en fait par contact direct. Vous mettez dans le cas de maladie sexuellement transmissible, c'est pas parce que pendant qu'on fait bagarre là on apprend, mais c'est parce que dans le rapport sexuel là comme on y a collé, donc les a contaminé l'autre monde qui est en face là. Maintenant son maladie qui parle létale, c'est-à-dire que qui pas tuer monde gal là en soi pas tuer personne monde. Maintenant on monde qui a un système immunitaire qui défaillant col pas qu'à défendre tête li, il y a l'autre microbe qui est capable de profiter des situations ça qui bail l'autre problème sur infection qui tue monde. Mais gal là c'est pour maladie qui a tué monde. Maintenant et les traiter facile et le traitement mandé pour tout le monde dans caill là qui t'y a gratté qui t'y a pas gratté traité en même temps et rad dra matelas tout ça moun yo servi pour yo laver bouillir yo chauder yo mettre yo dans soleil. Maintenant rad ou ap mette yon, les conseillers pour passer avant qu'on mette le sou parce que microbe ça pas résister avec chaleur. Yo capable ouvrir porte yo fenêtre yo le gen soleil pour rayon soleil là entrer en Dakar là parce que grand pile monde qui gen caillou qui pas jamais ouvrir porte là au monde cap garder la cap tande dans zone qui sont cité ou qui gen problème ça soleil là dedans parce que nous dit microbe là pas résister avec chaleur. Maintenant traitement li simple dans yo na 3 jours depuis monde n'en prend précaution li appliquer principe le prend médicament yo la guéri. Maintenant monde qui gagnait sur infection yo li ka mande plus temps li ka mande l'autre médicament mais pour moun ki gen k'ap gratte ki gen li manje zon yo sou pou yo ki pa gen l'autre problème donc nan yo nan 3 jours la commencer jwenn amélioration. Parasite ki bay li an gon paquet microbe ki sou pou an même jak nan kòm moun sou pa gen problème yo rete la ou pa bay problème mais si gon raison ki fait pou l'autre yo capable proliférer yo capable multiplier y a fait par exemple mauvaise hygiène. Les moun nan pa bien souvent rad la fè on pa ken jou sou li moun nan te déjà gen problème par exemple moun ki diabétique et puis microbe lan entre nan pou an li bal gratte nan gratte li gen des boutons vin leve sou li moun ki kola avèl lan li balil donc rapidement maladie a propager de on moun an l'autre. Maintenant moun yo dwe fè ça et puis yo pa dwe pran feuille quel que soit fait là bouilli passé gratté parce que ça capable compliquer situation donc gen benzoate de benzyle là depuis ou appliquer de courir juste dans orteil l'on fin bien donc ou prend l'autre médicament que personnel médical yo ba ou en fonction des cas ou traiter dans une autre donc n'a baille et benzoate de benzyle là n'a baille kit hygiénique qui gen serviette savon là-dedans yo n'a baille prométhazine qui c'est un antihistaminique moun yo prend pour éviter qu'on gratte li diminue gratel là et n'a baille amoxicilline en suspension en comprimé n'a baille cloxa donc des antibiotiques qui capable aider en fonction des cas moun là donc là nous fin faire ça demain n'a commencer avec des cliniques mobiles dans zone reculée tant qu'au café n'a dans Bertin n'a taille faire c'est des zones à accès difficile n'a malanga
n'a fait 3 jours sur Carrefour pour nous porter service à bay moun qui pas ka déplacer ou qui dans zone reculée. Maintenant, moun que kay ou pas ka traiter en ambulatoire, n'a référé yo dans l'hôpital soit maternité de Carrefour ou encore à Cachon 32. Mais n'a quitté un train dans l'hôpital ça yo pour les moun yo venir avec question tel là seulement pour yo capable bay soin que kay nécessité. Président de la République, son excellent Jovenel Moïse, ne cesse de souligner dans ses différentes interventions l'obligation qu'a son gouvernement d'œuvrer pour la matérialisation des promesses faites durant sa campagne électorale. Pour mieux y parvenir, j'ai donné à chaque ministre de ce gouvernement une feuille de cadrage que je vous encourage à bien appliquer afin de permettre au ministère des Affaires sociales de répondre efficacement à sa vocation. Aujourd'hui, bon nombre de nos citoyens et de nos concitoyens peinent à joindre les deux bouts. Le système de sécurité sociale haïtien se doit d'être à la hauteur des espérances de la population. C'est un défi que, avec le soutien de toute l'équipe du ministère, je vous propose, Monsieur le ministre, de relever. Le ministère des Affaires sociales est le visage humain du gouvernement. C'est l'une des plus stratégiques institutions de l'État pour implémenter sa politique de protection et de sécurité sociale. Dans ce pays aux moyens très précaires, la tâche d'accompagner nos sœurs et nos frères en situation difficile s'avère une lutte acharnée et assidue. Si moi toujours exigeais que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la police nationale, de bien remplir leur rôle de protéger et servir la population, pendant qu'elle a lutté contre le grand banditisme, le kidnapping, avec toute sa grinavelle, moi exiger que le ministère des Affaires sociales prend responsabilité face à une population qui n'a pas rien en même. Avant ma prise de fonction au ministère des Affaires sociales et du Travail, le chef de l'État et le chef du gouvernement ont beaucoup insisté sur le défi à relever en matière de sécurité et de protection sociale. Je me sens donc interpellée par la mission dévolue à ce ministère qui consiste à mettre en œuvre les priorités retenues dans ces deux domaines. Il est vrai que l'action de cette institution participe à de la vision globale gouvernementale à travers les 3 grands axes prioritaires que sont le rétablissement du climat sécuritaire, la réduction des inégalités sociales et la relance de l'économie, dont la mise en œuvre contribuera grandement à apporter des réponses concrètes aux nombreuses attentes de la population haïtienne assoiffée de justice sociale. Pour y parvenir, le fonctionnement à plein rendement du ministère s'avère extrêmement important et indispensable. Sur cette base, je demande à toutes et tous les employés de cette institution de m'offrir cette opportunité pour faire avancer le dossier. Ainsi, qu'il me soit permis de solliciter auprès de vous un sursis par rapport aux divers mouvements de revendications internes qui perturbent en quelque sorte le fonctionnement du ministère. Je promets qu'après avoir pris connaissance des dossiers, je me ferai l'obligation de vous informer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport
à vos attentes. Déjà, je compte sur votre collaboration en vue de faire fonctionner convenablement notre ministère. Et criminel, yo, antigen, et plus difficile par rapport avec correctionnel. Correctionnel, c'est immédiatement que ou cité mon nom, juge la venue, mais criminel là, gan pile bagay pour faire, faut doyen prendre ordonnance, lui organiser session, donc c'est tout une mise en place qui pour faire. Et pour faire, pour mise en place ça, faut bien une stabilité et politique pour que nous capables organiser audience criminelle. Mais par contre, quelquefois, il peut faire quelques graines audience criminelle et, mais par hasard, il fait et ordinaire. Je ne fais pas, mais pour organiser séance assises criminelles, même, faut qu'il y ait des planifications pour y aller pour faire tout ça. Nous-mêmes, nous avons volonté pour nous travailler et nous avons travaillé, mais nous n'avons pas de moyens pour nous travailler. Moi-même, je travaille dans la détention, moi dans la prison, par exemple, jeudi à Natal dans la prison, je cherche une série de dossiers parce que j'ai plusieurs côtés pour chercher des dossiers. J'ai une base de données qui est électronique. Gain base archive papier ou consulter archive papier ou consulter base électronique pour mon ça s'il méritait libéré. Donc nous qui t'a fait en liste, nous voyons le bail commissaire chef là pour l'apprécier, lui même qui a connaît que ça quelqu'un fait de liste ça gain 10 monde là dedans. Donc nous voyons le bail lui même qui a apprécié pour être capable libérer, mais moi même on pas fait libération parce que il était bail et on ordre. Donc c'est commissaire chef là qui doit libérer moun ou sinon folle et by avis. Par exemple moun sa ou là qui doit que d'arrive ou m'voye audio dans prison qui doit arriver dans prison là yo pas libéré parce que commissaire chef là pas signé là alors que yo la gen dans siège. Donc ça li constitue yon accord et à détention privative prolongée avec la justice et à continuer faire travailler. Nous ayo venir là yo poser plusieurs actes, yo tande moun, yo faire plusieurs convocations. Bon, on connaît le CPJ comme direction centrale de la police judiciaire, il travaille pour parquet. Alors, c'est le commissaire du gouvernement qui est chef de la poursuite pénale. Le DCPJ finit de faire tout le travail. Il a adressé un rapport d'information par le commissaire du gouvernement. C'est le commissaire du gouvernement, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites en matière pénale, qui pourra déterminer qui suit là-bas à dossier. Nous connaissons le dossier arrivé dans le parquet. Le commissaire gouvernement a trois positions capables d'adopter. Premièrement, il est capable de décider de classer sans suite. Il va passer à le cas parce qu'il y a une infraction. Deuxième possibilité, s'il est en présence d'un délit, il est convaincu que la présence d'un délit, il a opéré la saisine du tribunal correctionnel par citation directe. Ou bien, si son cas qui mérite une enquête approfondie, il a envoyé le niveau cabinet d'instruction. Il n'a pas empiété sur le travail. Enquête que direction centrale pour les judiciaires a fait, comme nous attendons que y a cheminé rapport d'information à commissaire gouvernement et commissaire gouvernement l'a décidé qui suit la barre dossier à nous-mêmes dans le tribunal là, notamment que l'enquête l'a abouti pour déterminer responsabilité chaque monde si y a un monde qui est coupable pour mener devant juridiction répressive de jugement. Semaine dernière, moi était tard, il était vers 11h du soir, juge la terre me dit moi il y a un monde qui fait le connaître, il y a quelqu'un qui a préparé pour attaquer la Cali. Pour moi-même, moi j'ai fait travail moi comme administrateur tribunal là, immédiatement j'ai fait contact avec la police et même jour soir ça a été renforcé considérablement sécurité juge là. Comme le week-end qui s'est passé là, j'ai fait un petit chita avec juge là tout informé une semaine ça a livré les demandes l'attend de yo. Non, je suis pas venu là. Je veux dire demain ou après demain, je connais le relais des mondes, je vais le travail. Bon, nous connaissons un juge avant tout, il faut qu'il y ait le courage pour le faire travailler. Et nous, je vais là, son monde qui gagne un peu le courage pour le faire travailler. Mais immédiatement, je te dis ça, on comprend que ça a été affecté. Il était obligé de prendre des précautions, il a alerté tout le monde pour l'alerter pour voir dans quelle mesure il est capable de renforcer la sécurité. Et c'est ça qui était fait. CSPJ a commencé à chercher des moyens pour juger là, pour mettre en condition pour le travail. Nous espérons baler tout moyen yo pour juge la capable sentir les non conditions pour faire travailler Jean la loi mandelé pour lui rendre ordonnance dans quatre dossiers pour nous capable connaître
même là nous pas capable de toute vérité mais au moins on connaît qui ça qui t'est passé ça veut dire pour déterminer auteur co-auteur complice de actes ça qui t'est fait sous bâtonnier nous qui s'est mettre mon frère Daval nous t'a remis un exemple tracé pour jamais plus jamais pas jamais rien de bagarre comme ça qui fait dans système là encore. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable tendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.